Salut à tous. Bah aujourd'hui, non, je suis pas en vacances. Aujourd'hui, ça va être sur la finition du toit de Tracassou. Et puis, j'ai fait la capucine à l'intérieur. Voilà, j'ai réussi à faire l'arrondi, ce qui n'a pas été simple. Bon, je vous laisse regarder ça dans la vidéo. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne, on restaure de vieux camping-cars. C'était un petit peu pour expliquer, en fait, on a deux camping-cars. Il y en a un qui est quasiment restauré. Celui-ci, qui s'appelle Gigi. Donc Gigi, c'est le G5 aussi. Il est là. Voilà. Gigi. Donc Gigi, on part déjà avec. Hein. Voilà. Et puis on a Tracassou. Donc Tracassou qui est en cours de restauration. Je vais vous emmener le voir. Donc on n'a pas trop mal avancé sur le toit et la capucine. Voilà. Tracassou. Il est là, Tracassou. Voilà. Bon alors Tracassou, on a détruit toute la cellule entièrement jusqu'au plateau et on a tout reconstruit de A à Z. Ce Tracassou, il était vraiment dans un sale état, hein. Il prenait l'eau, l'aluminium était complètement oxydé, il avait des trous partout. Donc plutôt que de le rafistoler, le reboucher et changer tous les tasseaux à l'intérieur qui avaient complètement pourri et pris l'humidité, on a décidé carrément de tout changer, de tout refaire. D'autant plus que le toit était vraiment complètement fichu, en fait. Il y avait un creux au milieu, le toit était en train de tomber. Donc, entre les murs et le toit, il n'y avait pas grand-chose à récupérer, donc voilà. Celebration to an unknown destination, can't you see? I can see us breaking down the barrier, oh yeah. With the speed of light we cross the stratosphere, oh yeah. We can go so far.
Bon voilà, l'isolation du toit est complètement terminée. Il ne me reste plus qu'à poser la colle pour fixer mes plaques alu sur le toit. Une fois que j'aurai fini de visser mes plaques, il me restera le jointement des plaques. Et quand j'aurai reçu mes baguettes alu pour finir le jointage des plaques, je pourrai les poser. Voilà. Comme ça, mon toit sera complètement étanche. Bon, du coup, comme on a refait toute la cellule complète, hein, et que on avait un petit peu l'habitude du camping-car, c'est pas le premier qu'on a. Donc, au cours de nos voyages, on a vu ce qui nous plaisait, ce qu'on avait besoin en fait dans un camping-car. Du coup, on a décidé de vraiment faire l'aménagement de Tracassou vraiment comme on le désirait à l'intérieur, pour vraiment avoir un aménagement qui nous convienne au quotidien dans le camping-car quand on voyage. Quand on a récupéré Tracassou, il avait deux petits lits fixes superposés. Donc pour des enfants, c'était très bien. Et un grand lit en capucine de place. Et nous, on cherchait vraiment un camping-car où on n'avait pas besoin de refaire des lits constamment. C'est pour ça qu'on a prévu dans Tracassou, en fait, avoir deux grands lits fixes dedans. Et puis une dinette où on n'est pas obligé de faire et défaire chaque jour. Quand on part en voyage, on a toujours besoin d'emmener beaucoup de choses. Donc, on a retenu la leçon par rapport à nos autres camping-cars. Donc, celui-ci, en fait, j'ai prévu vraiment une grande soute sous le lit de place à l'arrière pour pouvoir stocker et emmener plein de choses lors de nos voyages. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. Dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me.
There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. The dreams are not the same for me. Standing by the shore. Capucine, ben elle est complètement fermée, taillée d'un côté comme de l'autre. Ça n'a pas été simple parce que pour reprendre les arrondis de la capucine, alors même si elle est faite en PVC aussi bien à l'intérieur que l'extérieur, il faut quand même arriver à le tordre et ne pas éviter de le casser. Et non, ça a été quand même relativement difficile. Bon, voilà où j'en suis. Donc la capucine est faite, mais le plaquage est fait aussi sur une bonne partie du camping-car. Il me reste juste les deux côtés, hein. Voilà, les deux petits côtés de la capucine à finir. Et puis on sera pas mal. Bon voilà, les travaux pour aujourd'hui se terminent. Donc je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut. Thought I caught your eyes. The
Merci pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Thank you.